Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. De notre côté, tout va bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une motivation de ménage en famille, comme d'habitude, quoi. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon mari, il a commencé par faire la lessive. Là, du coup, il n'a pas fait le tri parce qu'il n'y a que du noir. Donc, il n'y a pas vraiment pas besoin de faire du tri. Donc là, dans cette vidéo, vous allez voir que nous serons que deux parce que comme on est dimanche, les enfants, en attendant que nous on fait le ménage, les enfants, ils ont commencé à faire leurs devoirs, du coup. Tout à l'heure à la fin de la vidéo, Ilana elle viendra. Elle nous a dit qu'elle va venir pour passer la serpillière, donc vous la verrez, mais vite fait quoi. Donc là, du coup, comme il a fini de mettre sa machine en route, du coup, là on va vider la vaisselle parce qu'en fait, le lendemain, on avait le samedi, pardon, on avait toute ma famille à manger. Donc là, du coup, on fait un petit nettoyage, quoi, comme on est dimanche avant de reprendre la semaine. Comme la semaine, il bosse, du coup, là, il m'aide. À faire un gros ménage, enfin un gros, vite fait quoi, mais vite fait mais bien fait parce que le samedi même on avait déjà bien fait le ménage avant que ma famille vienne pour le repas le soir. Donc là, du coup, avant de commencer la semaine, comme d'habitude, il m'aide, puis après on va enchaîner par d'autres tâches. Donc restez avec nous. Donc là, en attendant, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir de vous avoir parmi mes abonnés déjà que j'ai. Donc franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire, à me les poser. N'hésitez surtout pas à vous présenter aussi, comme ça au moins, je sais avec qui je parle. Parce qu'on est de plus en plus nombreux. Franchement, ça me fait très plaisir. Ça prouve aussi que ce que je fais, le travail que je fais avec ma famille. Ça vous plaît, donc franchement, merci beaucoup. Vous êtes notre motivation. Vous nous motivez chaque jour à continuer de faire la vidéo. Donc, j'en profite aussi pour me présenter. Moi, c'est Laetitia, maman de trois enfants et enceinte de mon quatrième, d'un petit garçon qui est prévu dans un mois pour le mois de novembre. Donc, voilà. N'hésitez pas à venir vous présenter. Donc, là, du coup, le lave-vaisselle est vide. Donc, je vais en profiter pour faire. Bah, l'entretien de la machine, parce qu'en fait, l'entretien de la machine, je le fais tous les mois, une fois par mois. Ça permet que la machine elle soit toujours propre. Et du coup, comme j'avais énormément de verre à laver, donc du coup, bah, je me suis dit, je vais les faire à la main, en attendant que la machine elle tourne pour l'entretien.
Donc là, du coup, comme vous pouvez le voir, on a fini avec la cuisine. Et du coup, là, on va s'attaquer avec le salon, salle à manger. Donc là, du coup, mon mari commence à nettoyer la table, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. En attendant, moi, je vais aller nettoyer le miroir qui est dans le salon, dans le salle à manger. Et puis après, je vais enchaîner par le meuble, le petit meuble qu'il y a en dessous du miroir. Donc voilà, les amis. Bon, du coup, les amis, pour les nouveaux abonnés, voilà, je vais vous présenter un petit peu mes enfants, mais de toute façon, vous les verrez dans la vidéo. Donc, là, du coup, à gauche, ma grande, c'est Iliana, elle a 12 ans et demi. Au milieu, c'est mon fils, il a 11 ans. Et à droite, Lenaya, ma petite dernière, qui a 7 ans et demi. Bon, les amis, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, sur les vidéos, mon mari passe souvent le balai. Il dit que c'est le balai, il va plus vite, donc il préfère passer le balai, c'est plus rapide. Donc voilà, pourtant on a l'aspirateur robot, mais il le passe, on passe l'aspirateur. Enfin lui, il le fait très rarement, mais la semaine, quand il est au boulot, moi j'aime bien le passer, au moins je suis tranquille. Donc voilà, il a fini de passer le balai. Donc là, du coup, il y en a qui vient pour passer la serpillière. Donc vous pouvez le voir, franchement, je sais pas comment elle passe la serpillière, mais j'ai l'impression que le balai serpillière, il est tellement lourd qu'elle a du mal.
Donc voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo de routine ménage en famille. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, mais surtout à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Et pour les nouveaux, je me répète, je le sais, mais n'hésitez surtout pas à venir à la fin de la vidéo pour vous présenter pour qu'on puisse faire connaissance. Je vous dis à très vite les amis dans une prochaine vidéo. Bisous, bye.